De retour sur le plateau de la tranche info, place maintenant à l'échange et au débat dans notre focus. Et comme je vous l'annonçais avant la coupure pub, ce soir je reçois Gaby Clavier, secrétaire général de l'UTS UGTG. Il est en compagnie de Jocelyn Zou, représentant du FO des sapeurs-pompiers qui sont au SDIS. Et nous avons également monsieur Michel Gérand qui est infirmier libéral suspendu. Bonsoir messieurs. Bonsoir, Donc bonsoir. Ça fait bien plus d'une année maintenant que la bataille a commencé au niveau des personnels soignants, que ce soit au niveau du CHU de Pointe-à-Pitre, mais aussi les personnels libéraux. À cela se rajoutent aussi les sapeurs-pompiers, qu'on oublie bien souvent, puisqu'on parle souvent des professionnels de santé, les infirmiers, les aides-soignants, les choses comme ça, mais très peu des sapeurs-pompiers qui sont également suspendus depuis plus d'un an. L'occasion donc pour nous ce soir de faire un bilan avec ces messieurs. On va commencer avec monsieur Clavier. Où en est-on ? Statu quo ? Statu quo, non, puisque j'ai rappelé qu'il cause depuis qu'il temps. Pour éviter de grève, vous l'avez dit, l'établissement de santé, déposé le 2 septembre 2021. 2020 déjà passé, voilà, en 2021. Nous avons commencé grève là depuis le 9 septembre, grève, rappelez-y. Et bien évidemment, contre l'obligation vaccinale, puisque j'ai rappelé que là où Macron fait déclaration aille, en mois de juillet, et promulguer loi le 5 août 2021, l'indicat met en place une obligation vaccinale pour les personnels qui travaillent dans l'établissement de santé, mais également social, médico-social, pompiers, ambulanciers, mais même des gens qui travaillent à l'hôpital là, qui font entretien des équipements hospitaliers, dans le secteur public, dans le secteur privé. Là, chose là, plus qu'un millier, d'hommes et femmes, familles, suspendent, sans salaire, sans sécurité sociale, sans mutuelle, sans accès à l'assurance chômage, sans rien, sans bon revenu. Au motif que les gens pensent qu'il y a touché peut-être RSA, qu'il y a touché peut-être chômage, alors que la loi l'a faite justement pour qu'il n'y ait pas manié rien. Il n'y a pas touché rien depuis plus de 1 an. Puisqu'il y a 1 an, il n'y a pas manié ni bon revenu, la famille n'a pas ni bon revenu, au motif qu'il y a refusé une obligation au vaccin, qui de plus en plus nous a observé, en tout cas, il y a dit nous, les mêmes les mounes qui étaient les plus grands propagandistes de la vaccination, qui a dit nous comme ça, pour un vaccin, son traitement, qui n'a même pas protégé, il a, vous pouvez contaminer d'autres mounes, vous pouvez même attraper des maladies, vous pouvez même mourir. Chose-là, la preuve est faite que 90% des mounes qui couchaient dans l'hôpital en France, chose-là, c'est des mounes qui sont vaccinés. Ils ont 2, 3, 4 doses, qui sont jeunes, qui sont moins jeunes, qui ont voté, qui ont matrité. Plus grave. Rappelez que la disposition là ça, pour les mounes qui la suivent très bien, article 12 à loi à 5 août 2021 et article 13 à loi 5 août 2021 qui prévoit fin de l'obligation vaccinale. À quelles conditions? À condition que l'HAS constate que, bien évidemment, que pas ni pandémie encore, pas ni épidémie et que, bon, ni un taux de reproduction à vaccinale qui est faible. C'est quand nous, en Guadeloupe, depuis presque 1 an, vous risquez pas qu'à circuler. Il ne vise pas qu'à mener les gens à l'hôpital, il ne vise pas qu'à rendre les gens malades. Et la preuve, on peut dire que le virus-là a développé et a envoyé un grand foisonnement de population. Nous passons vacances juillet-août, et bon, l'eau monde qui vit en Guadeloupe. Nous passons route du Rhum, l'eau monde qui vit en Guadeloupe. Nous passons 31 décembre, fête de fin d'année. Nous passons carnaval. Et puis, depuis plusieurs mois, taux de reproduction à vaccin a baissé. Et toute contamination. Nous reproduisons un virus là. Un virus là. Donc nous allons objectivement dans une situation qui, normalement, à un pays normal, avec des scientifiques normaux, des médecins normaux, des politiques normaux, de dire que ça, compte tenu du fait que ça pourra circuler et que pas de risque majeur en matière de dégradation qui a l'accueil des établissements de santé qui est dans une situation de personnel, nous devons arrêter ça. Seulement, il y a quasi nous comme ça, quel que soit, même s'il n'y a Covid. Même si pas de Covid, ils sont obligés d'y prendre. Ils sont obligés de rester zéro, sans revenus, sans payer très ta sorte. Je me rappelle que les gens qui travaillent, ils n'ont ni loyer qu'à payer, ni voiture qu'à payer, ni manger pour boire, ni tout le monde qui fait études, ni des obligations qu'à relever de gens qui fonctionnaient avant. Parce que ça fait de manière tellement sauvage, on a bien dit sauvagerie, c'est que du jour au lendemain, vous trouvez une décision quasi ou pas travailler encore, donc ou pas monde, ou pas ni famille, ou pas ni amis, ou pas ni vie. Donc, ils ont décidé de tuer, des soignants qui assuraient
des conditions très difficiles, voire même exagérées, voire même maltraitantes, des conditions de soins, qu'il y a dans le secteur public là, qu'il y a dans le secteur privé là, qu'il y a dans le secteur médico-social, parce que ça, souvent, nous avons oublié, ça a concerné également des éducateurs spécialisés, des personnels qui avaient des établissements pour les handicapés, des personnels libéraux, les personnels également de l'éducation nationale. Ça veut dire qu'on y a près de milliers de professionnels du soin, de l'accueil, de la prise en charge qui, aujourd'hui là, est-ce que y a bien référencé, est-ce que nous bien y on millier moun? Parce que c'est vrai que là, nous attendons, qui c'est les élus peut-être au niveau local et au national, il y a même qu'à bas chiffres, vraiment. Il y a même qu'à bas chiffres, parce que les chiffres sont faussés. Premièrement, il faut savoir que, okay, premier butin, c'est des mouns qui ne peuvent pas toucher l'argent. Vous savez exactement, chaque administration a une obligation d'informer l'ARS si combien de monde qui est vacciné, combien de monde qui va vacciner, et qu'on va faire si la monde pas vacciné. L'ARS n'est pas chiffre là. En tout cas, dernier contact que nous prenons avec le représentant à l'État, en Guadeloupe, il y a un millier de Guadeloupéens. On comprend le terme à l'État. Donc, évidemment, qui est sourcé par l'ARS. Autrement dit, il y a un millier, au minimum un millier. Sans côté, on a les gens qui ne peuvent pas toucher l'argent. Mais on homme, on forme son famille. Là, on voit un papa, un maman, un jeune étudiant touché. Ça veut dire que c'est des centaines de Guadeloupéens qui jouent, des centaines de milliers de Guadeloupéens qui ont difficulté du fait de décision là ça. Alors, en termes de routine, on retourne ces questions à la décision là. Des décisions de suspension basées exclusivement sur le fait qu'on n'a pas vacciné. On n'a pas fait pour faute. On n'a pas mené au conseil de discipline. La loi qui prévoit deux textes. Le Code du travail pour le secteur privé et le statut général des fonctionnaires, singulièrement le statut général du personnel hospitalier, qui prévoit pour suspendre le monde comme la fait faute. Et quand tout dispositif dans le disciplinaire qui est dans les entreprises, là, on fait faute, on a convoqué devant le conseil de discipline. Pour garder faute à faute là, et bien on sanction qui pour proportionner par rapport à faute là. Là, il quoi dire qu'on s'en a pas en sanction. Il n'y a pas à payer, mais on ne peut pas défendre vous-même devant le conseil de discipline. Mais plus grave, non seulement on ne peut pas défendre vous, mais là on voit arriver, il quoi dire qu'on s'en va d'accord, au suspendement, mais bon, mon motif de suspension, il n'y a pas de bon motif au cabal. Le principal motif, c'est l'absence de vaccination. C'est l'absence de vaccination. Alors, toute bite est là, basée sur l'absence de vaccination. Alors, il a dit encore une fois, à part un vaccin, à part une dose, c'est une ou plusieurs doses. Donc là, on vaccine, on passe à combien de doses qu'il y a au Kenya prend pour payer et travailler. Oui, bien. Mais c'est aujourd'hui là. On nous parle. Nous bien vrai, avec le discours là que le gouvernement là qu'a tienne, là, il a dit que si nous avons intégré personnel soignant non vacciné, ça qui vaut un mauvais signal pour les vaccinations à venir, les campagnes de vaccination à venir, j'ai tout compris. Eh ben, deux niveaux. Premier niveau, 80% à Guadeloupe n'est pas vacciné. 80% à Moun Katabène, dans cet établissement-là, ça, qui est assujetti, qui est obligé pour vacciner, ils n'ont pas vacciné. Ils ont porté mon aide, j'ai été payé pour rester travail, mon prévoir ça fait à yo. Pour assurer travail à yo, revenu à yo, famille à yo, moun porte manœuvre. Mais en Guadeloupe, qu'en France, 80% des moun qui n'ont une obligation vaccinale à 3 doses, pas qu'à remplir les conditions réglementaires pour travailler. C'est heureusement d'ailleurs. Parce que imaginez que tu as suspendu tous les pompiers. Imaginez que tu as suspendu tout le monde qui a suspendu. Non, mais ça n'est pas faisable. Mais le problème là, c'est que tu as stigmatisé. Non, ça n'est pas faisable. Si c'est pour appliquer une loi, il faut appliquer pour tout le monde. Il ne peut pas appliquer pour les pompiers, il ne peut pas appliquer pour les services de PMI, pour les personnels infantiles du conseil départemental, il ne peut pas appliquer non plus pour les personnels ambulanciers. Pourquoi? Parce qu'ils ont brisé ces mondes-là, quand ils ont brisé ces soignants. Donc ils mettent un focus à six les personnels des hôpitaux, Basté, La Pointe, Beaupertuis, Selbonne, les cliniques privées, pour encore une fois mettre les gens en situation d'obliger à être vaccinés. Quelle que soit la conséquence, ça signifie l'accès aux soins. Parce que derrière ça, les gens qui sont suspendus là. Je dis là au CHU, 50% des blocs opératoires fermés, il y a fait intervention chirurgicale à CHU aux eaux claires. Je dis là, on y a près de 200 lits en moins, plus de 200 lits en moins sur l'hôpital là. Si bien qu'un monde qui a arrêté, je dis là, qui arrivait aux urgences, il a arrêté 24 heures, 72 heures parce qu'il n'y a pas de place pour mettre. Je dis là, pas ni médicaments à l'hôpital là, pas ni gants, pas ni blouses, pas même pas ni c'est quoi, dispositifs de préparation médicale. Ou pas ni matériel, ou pas ni pour soigner mon poste, évidemment. Parce que compte tenu du fait que mon cas, mon hôpital, qui soutient, qui défend son cas, mon cas, mon hôpital, parce qu'il convient trop tard, parce qu'il est au paix, mais parce qu'il n'est pas pris en charge normalement. Il n'est pas pris en charge. Parce qu'évidemment, on ne peut pas compter des centaines de monde dehors, alors que l'hôpital, avant Covid, là, déjà en grosse difficulté, parce que, rappelez, nous faisons grève en 2019, qui durait 3 mois pour nous obtenir l'argent pour nous acheter couche.
pour nous acheter matelas, pour nous acheter chaises roulantes, pour nous acheter brancards, pour nous acheter scope. Dans les urgences, parce que déjà, nous n'avons pas quatre problèmes du Sanzila. Depuis Sanzila, on est en déficit à CHU-là qui était au-delà de 50 millions d'euros par l'année. Avec absence d'activité là, ça, on est 150 millions d'euros de dette fournisseurs. Si les fournisseurs pas fournis ni médicaments, ni manger, nous ni matériel. Nous avons le même problème là qu'en 2019. Plus grave, parce que je dis là, avec des fiances qui sont par rapport aux soins hospitaliers, mais aux soins non hospitaliers, et Michel qui expliquait ça pour le libéraux, on est non seulement des gens qui n'ont pas pris en charge, des gens qui sont isolés, des gens qui sont handicapés, des gens qui n'ont pas de famille, mais également des gens qui arrivent à l'hôpital, qui sont dans le secteur privé, là, dans ce public-là, et qui ont fait ça au pays. Des personnes qui ont fait ça au pays avec les moyens qui ont été. Donc, c'est ça. On peut être un monde qui travaille, qui investit, qui fait études, même les familles ont misé pour y faire études, ou manipulateur radio, ou technicien laboratoire, ou infirmier diplômé d'État, ou infirmier de bloc, ou secrétaire médical, ou ouvrier, ou misé, ou fait études, ou fait formation. Parce qu'on concours, parce que pour entrer à l'hôpital, c'est concours. Mm-hmm. Vous présentez un diplôme, vous présentez un titre. Hein. Donc, tous ces métiers-là, ça, c'est des métiers qui. Mon choisi de faire, mon misé pour faire, il faut miser pour faire, quoi, du jour au lendemain, ou pas qu'à exercer ce métier-là. Et conséquence à tout ça, encore une fois, c'est perte de chance, des milliers de pertes de chance pour les malades. Oui, donc, bien évidemment, là, on va constater la situation politique, là, je vous dis aujourd'hui, là, je prends une décision politique, puisque ça n'a pas ni sanitaire, ça n'a pas ni de rien de sanitaire, ça n'a pas ni rien de médical. Oui, mais au-delà de décision politique, là, moi, en fait, Vincent, pour un vésot, c'est que tout ça qui fait, politiciens l'ont cautionné, mais personnel de santé aussi cautionné. Non, on ne peut pas dire ça, parce qu'en réalité, au personnel de santé, quand j'ai dit, je dis, mais pourquoi on prend un vaccin? On connaît les régionaux, d'accord. On connaît le vaccin, on connaît les conséquences du vaccin, qu'ils ont pour faire un vaccin. C'est nous-mêmes qui avons appliqué mon tout, pas ça qui pose le problème, parce que nous avons quelques obligations vaccinales également, notamment en matière d'hépatite B pour nous aller à l'hôpital. Mais comment faites-vous, quand j'ai conseillé pour un vaccin, que vous-même, quand j'ai tout le temps, vous arrêtez la vaccination obligatoire? Si obligatoire, fait dans le code de la santé publique et pas dans le code de la santé publique. Il y a dans la loi à 5 août 2021. Et quand même dit, article 12 et article 13, il y a qui a arrêté ça. Alors imaginez-vous, et ça qui fait, de toute façon, il y a qui a arrêté, on l'est. Mais tout le monde qui a pris, il prend une des trois doses. Et quand il pète lui, tête à un café ou mal, il pète formé à lui, ou il travaille, il prend un vaccin pour être avec, pour payer très tard, pour payer une voiture, pour nous former. Et du jour au lendemain, quand vous êtes malade après un vaccin que vous-même pas connaître qu'il y a dedans. Et quand il y a dit, il n'y a pas de lien entre vaccination là et maladie que vous attrapez. Et aujourd'hui, là, les effets secondaires, la surmortalité liée à l'injection à Pikila, ça, pour moi, je ne vais pas parler de ça. Mais tu sais, quand tu ressembles, je ne sais pas, je vais voir. Je ne sais pas. De coïncidence, ces donc, c'est pour ça que Guadeloupe réagit, quand il réagit là. Et nous très fiers d'être Guadeloupéens. Nous très fiers d'être travailleurs sociaux, ça veut médico-social et sanitaire Guadeloupéens. Parce que nous voyons que les bonnes. Bonnet nous dit qu'on ne sait pas, ça j'arrive avec Chlordécone, ça j'arrive avec Chikungunya, avec Zika, avec le problème de loi qu'on nous croit qu'on pose nous, avec chômage, avec toute précarité qu'on nous croit que nous pépé prend encore une fois, on note agression sur quoi nous, si vit en nous. Et c'est pour ça qu'on nous a bien dit. Combat là qu'on nous a donné, puisqu'il y a un aujourd'hui là. Il n'y a pas de sens pour nous, parce que l'objectif là c'est réintégration nous, paiement ça y quoi nous, et bien évidemment, indemniser nous par rapport à tout préjudice qu'elle nous subit. Mais il y a pour avantage également de faire nous penser, sentir nous en notre gens. Nous ne pouvons pas comprendre qui ils ont imposé nous un vaccin, un dispositif, un traitement, qui non seulement capécule nous, mais qui dit, quoi, ou dit nous encore une fois, que de toute façon, à pas fautable ou pas responsable. Parce que les entreprises, les sociétés qui créent médicaments à ça, qui vendent médicaments à ça, des milliards d'euros de médicaments, ils sont pas responsables. C'est Mouna qui a acheté là et Mouna qui prend là qui est responsable. Des meilleurs de la Mouna qui a injecté aussi. Et Mouna qui a injecté aussi. Et tous ceux qui ont injecté. Sauf que Mouna qui a injecté, pour vous dire au compte, qui est infirmier, qui est pharmacien, qui est médecin, il n'y a pas aujourd'hui que tout le temps, il n'y a pas rendu compte par rapport au fait qu'il a violé le corps à Mouna, sans consentement. Et si on produit qu'il n'y a même pas connaître qu'il y a dedans. Donc c'est, là, ça grave. Et c'est pour ça que nous sommes très fiers, on rappelle, nous très fiers de combat qu'elle nous a mené. Non seulement pour nous, mais également par rapport à ça, nous. Le caractère, nous dit caractère de révolte et de dignité que Pek Bonbeck a exprimé à travers mon ça. Et ça, ça a montré la solidarité que nous tenons. Aujourd'hui, là, si nous, depuis un an et demi, nous debout toujours, nous avons mangé, nous avons bré, nous avons l'argent, nous avons porté les mandats, artistes qui ont aidé nous, c'est bien parce qu'ils sont Guadeloupéens. Alors, toi, nous fiers de ça, nous avons fait. Là, nous avons fait une expérience là, quand nous avons dit ces autres, nous avons compté pour garantir la vie en nous. Nous sommes des résistants, nous sommes des rebelles. Nous, c'est des, c'est quoi dire,
Les dingues marrons, mais encore une fois, c'est histoire en nous qui permettent nous justement de nous positionner à ça. Donc, autrement dit, après nous, je dis là, c'est quand nous avons dit l'État choisi. L'État choisi. L'État choisi, encore une fois, de mettre nous en difficulté, de tuer nous, on a bien dit de tuer nous, de tuer vie à nous, de tuer famille à nous pour un produit, pour une obligation qui est ponctuelle. Qui est ponctuel, parce qu'il prévoit dans le loi qu'il est arrêté. Oui, mais t'as non la seulement ponctuel. T'as la ponctuel, mais nous avons et on a pensé que nous avons ressenti ça, une espèce d'évolution de la science. Oui. On signe une nouvelle vision de la science qui a imposé, et ça nous constaté avec le vaccin à ça, c'est que bon, faut pas douter, faut pas poser aux questions, faut pas débattre, faut pas dire rien, faut prendre. Et que nouvelle médecine là en fait qui a mettre en place, c'est que ça en fait. Mais justement, nous vous posez des questions. Mais justement, pas poser nos questions. Mais ouais. Justement, mais justement, nous vivons, nous faisons l'école, nous sommes intelligents, même si nous pas fait l'école, même si nous pas des grands, nous pas grands grecs, mais en tout cas, nous savons qui vient pour nous protéger nous. Nous savons que nous n'avons qu'il dit, nous n'y remettons pas. Là aussi, il faut insister sur ça. Tout le monde, tout le Guadeloupéen qui vit en Guadeloupe aujourd'hui, là, si nous avons fait là, nous avons mal tête, on mal cou, on blessure, on y a charpentier, on y a tout un série de médicaments dans tout le corps, dans toute la vie. En nous. Le problème, nous, c'est que nous tuer. Nous avons passé des bouts de sèche, nous avons pissé ici, nous avons cacassé, parce qu'il n'y a pas de médicaments. Or, tout médicament que je l'ai sorti en pharmacie, il y a qui bitait. Médicinale. Des molécules à plantes. Des molécules qui sont transformées, des molécules qui sont transformées en produits chimiques. Autrement dit, nous avons un vrai problème de reprise en main à la santé en nous. Et c'est ça que nous avons opposé aujourd'hui là. Et c'est pour ça que nous avons ça. Nous sommes en naissance. Pour nous, qui avons fait un thème quotidien, revenu en nous, équilibre de famille en nous, équilibre mental en nous. Mais une naissance également pour Guadeloupe et comprendre qu'aujourd'hui là, nous avons fait. Nous avons fait ça, nous avons fait là, ça belle tout bonnement. Donc, 82% de l'Européen qui a dit qu'on s'en paye, prend un bitaï ou là, ça. Parce qu'on ne peut pas connaître bitaï ou là, ça. Alentour, on prend tel médicament, on prend tel petit effeuillage, on mélange avec tel effeuillage, ça réussit. Pourquoi on peut dire comme ça? Alors qu'on est 80% de monde qui n'est pas vacciné en Guadeloupe et le virus n'a pas circulé. En France, on est 99% en France qui est vacciné et ce virus n'a pas circulé, qui a tué le monde. Il y a 9e, voire 10e vague. On depuis la troisième vague, là, il y a eu un paquet de monde au CHU. Plus de milliers de monde qui ont tué, entre juillet et octobre 2021. Okay? Toutes ces monde-là, ça. Donc, si celle vague là correctement, il n'y a pas de témoin. Je précise ça parce que c'est celle vague concrètement qu'a Guadeloupe contrée. C'était vague là qui fête pendant juillet, août. Donc, nous étions en septembre même, nous occupions du septembre 2021. Oui, où effectivement, il y a plus de 800 monde. Mort, oui. Et c'est à un moment-là ça que ces chiffres-là commençaient à exploser Guadeloupe. Sinon, avant, on passait quatre vagues, je crois, quatre vagues sans rien. Sans rien. Et aujourd'hui, il y a 9 vagues en France, avant une population qui est fortement, majoritairement vaccinée, 3 doses. En français, 4 doses, de toute façon, elle est pour 4 games là. Okay? Et tellement ça avant au niveau de l'État français, ils ont finalement 4 games, pas obligatoire. Mais ils ont abandonné, c'est dégagé. Et tout ça, après 10 semaines de vaccination, ça, on prend la base, il y a encore, faut prendre tout le temps. Donc, même si vous n'êtes pas obligé de faire obligatoire, vous-même, que vous y allez prendre. Parce que vous avez demandé de prendre. Parce que vous êtes dépendant, d'où avant le vaccin. Et c'est ça qui est belle là-dedans. Attitude, nous, Guadeloupe, c'est dit qu'on s'arrête de comprendre. Nous pas prendre. C'est ça, nos qualités. Et nous, très fiers de dire qu'on se remettra sur nous. Parce que je suis débité. D'abord, nous respecter les métiers. Nous respecter ça, nous, pas au coup personnel qu'on a choisi. Engagement famille en nous, par rapport à ça, il décide de faire. Quand après, la plupart des gens qui concernent, c'est des jeunes hommes. Jeunes femmes. Jeune homme. Donc, quand ils sont aux jeunesses comme ça, okay? Qui fait tout sa étude, qui fait toute sa formation, qui partit en France, qui partit au Canada, ou quand ils vivent en Europe, ils travaillent en pays, ils mal quand ils passent au monde, ils sont dans l'Hexagone. Et ça, normal. C'est pour ça que nous avons, non seulement pour l'intégration, non? Pour nous réhabiliter nous, encore nous, en métier en nous, dans une perspective professionnelle que nous avons, et bien évidemment, que le pays nous, ça est quoi nous. Tout ça est quoi nous. Alors, M. Gérard, ça a fait plus d'un an justement que ou suspendu ou c'est ou sont infirmiers libéral. Donc, qui genre ou qu'a géré situation là qui quand même qu'a duré depuis au moment de temps. Ah mais en cas j'ai eu tous ces camarades là avaient difficulté, mais avaient dignité. Nous savons qu'on habite cadrissé. Un bel bilan qui a été cadrissé, enfin un bel entre guillemets, un bilan aussi là nous grâce à peuple là nous croyons bien. Mais faut savoir que ni courrier à huissier à rentrer, on dit qu'à avoir payé, on y voit à payer. Donc, sans difficulté monstre, et puis ça violent, qu'on a répété qu'on habite qu'à dit, son telle violence qu'il n'y a pas même payé. Des fois, on va lever, on va dire aussi qu'on va rêver des situations à ça. Et là, on va attendre que la première vague là, on a dit
que la première vague là tue le monde. On n'a pas la première vague là qui tue le monde. C'est manque de matériel, manque de matériel, manque de... On va parler de premier wagon, nous, parce que c'est pour nous caler, nous, sur le national, c'était 4e là ou 5e là. Oui, oui, oui. Mais nous, nous pas tenu pas de problème avant. Voilà. Et effectivement, si vague là, ça posait problème, il dit que c'était Covid, que c'était Omicron, mais c'était plutôt le système de santé là qui était très défaillant. Voilà, il y a manqué d'oxygène, il y a manqué un paquet bitain, et que tous ces gens qui s'y spalent actuellement là, eh bien, c'est eux qui étaient au front, qui permettent de sauver les gens. Donc, ce n'est pas la première vague-là, c'est la condition-là qui est née en pays-là. Mais ce qu'on m'a dit pour rappeler, très important, c'est que nous allons en île. Nous, pas qu'on en France, au-delà de l'épicé département, sous où ils ont rendez-vous ou pas ni en long département, ou qu'on prend vélo, train, RER, tout ça, on voulait qu'on regarde notre. Là, nous l'entourons dans la main. Il faut nous donner les moyens qu'il faut, et les moyens humains et matériels qu'il faut pour nous travailler. Or, là, on va priver en île des 11 professionnels de santé, on va mettre près de 300 personnes en danger. Là, on va avoir un médecin pris à dans ça, suspendu, compter combien de monde qui a mis par mois, qui a l'habitude de rencontrer par mois. Ça veut dire que là, on voit et médecin là, ça, il pas là, mais ces gens-là, il faut y aller voir un médecin. Donc, il y a un côté, j'ai ni monde. Mais c'est là ça j'ai ni client. Ça veut dire qu'il a réduit consultation. Il a réduit temps de consultation. Pour aller plus vite. Puis aller plus vite, ça veut dire que ça n'a pas forcément de qualité. En plus, il ne peut pas aller à domicile encore. Il ne peut pas déplacer en cabinet. Et puis, quand il a commandé un médecin à domicile, c'est rare de trouver un médecin à domicile. Pour qui? Parce qu'il y a surcharge. C'est autant pour les kinés, autant pour les infirmiers, autant pour tout personnel libéral. Surtout, il faut nous savoir que son lien important, en sortant de l'hôpital là, libéral, son lien important pour le monde. Pas oublier nous ni personnes âgées, nous ni monde handicapé, nous ni des monde qui malades en permanence, qui méritaient soigner des maladies chroniques, et ou pas ni monde. Là, ou pas ni monde, on va faire avec quoi? Alors, ni monde qui est mort. Et c'est pour ça qu'on a lancé un appel à la population là. Si ni monde qui est mort par rapport à rupture de soins là, qu'ils ont causé à cause de ça, parce qu'ils ont tiré nous en travaillant nous. Mais ils ont quand même aussi, ça va ni pour incidence, voilà. Ça va ni pour impact. Oui, puisqu'il y a les gens qui l'ont aussi, les médecins de POV Bouchaille par rapport à ça. Mais c'est là que tu as posé, M. Kouala, tu as posé la question des autres personnels de santé, puisque tout le monde est au courant de la situation là, mais ni on pas aussi qu'à parler, ni l'autre là qui parle d'y. Oui, mais depuis le début, ils ont fermé Bouchaille. Puisqu'il y a les gens qui ont dit mon confinement, ils ont POV Bouchaille pour te dire. Ne serait-ce que prévention. Là, on a donc cas, ou pas à bouger, ou ni flébite, ou ni un lot problème qu'on peut attraper. Mais monsieur Girand, nous dit que bon, dans la panique, bon, il y a pas des mauvaises décisions. Mais c'est pas une panique. À moment-là, ça, bon, c'est des êtres humains. Professionnels de la santé, nous, en professionnels de la santé, si nous avons paniqué, nous battons le monde. Et je sais que Dieu ça. Donc, il ne faut pas te laisser place à la panique à un moment-là. Non. Nous, professionnels de la santé, si on dit que tu es monde, nous ne parlons pas de tuer le monde non plus. Comment? Il n'y a pas ni à dire ça, puisqu'il n'y a pas dans la panique. Donc, situation là, en long île, ça grave de panique les moyens qu'il faut. Là, dressons un tableau, il y avait médecin infirmier. Mais on n'y a pas de problème. On n'y a pas de problème. On y a au moins 120 000 personnes qui sont au-dessous du seuil de pauvreté. Ça veut dire que là, ils sont pauvres. Là, ils ont acheté un pack de l'eau. Ils ne peuvent pas acheter des santé publique, problème de santé publique. Ça veut dire que comme il n'y a pas de l'argent, il est obligé de boire de l'eau, il faut calculer combien de bouteilles il faut faire parce qu'il ne faut pas en boucher, il ne faut pas en boire, il ne faut pas en laver, il ne faut pas en bosser dedans. Donc ça veut dire que si la bouteille est là, on est là, ou quoi jongler pour savoir qui est priorité. Donc on est obligé de boire de l'eau qui n'est matière fécale parce qu'il n'y a pas de l'argent, qui n'est aluminium et qui n'est chlordécone alors que nous, j'ai ni chlordécone encore. Donc on commence sur un gros problème de santé publique. Généralisé, et c'est pour ça que le peuple, la fois, ils savent ça. Nous, en danger. Tant que nous ne pas entrer au travail, nous, ils sont en danger. Et nous, en danger, puisque ça va concerner nous tous. Nous aussi, nous avons besoin de l'eau. Nous aussi, nous n'avons pas de l'école. Donc là, nous avons besoin pour travailler en nous, effectivement, nous avons besoin pour travailler en nous, puisque, quand Gabi a dit nous avons fait étude, nous avons des diplômes, quand nous avons fait là. Là, on dit moi comme ça, que si on met ça, un exemple, excusez-moi.
Si demain, on laboratoire, quand on entre à un médecin, on est des représentants laboratoires de produits pharmaceutiques. Et quand on entre à un médecin, il a présenté un produit, et il a dit qu'il n'est pas testé. Il a dit qu'il n'est pas testé. C'est ça, madame l'a dit à l'Europe, au Parlement européen, que le produit n'a pas été testé. Ça veut dire qu'elle est testée sur la transmission. Ouais. Les tests, il n'y a pas eu de test, il n'y a eu aucun test sur la transmission. Donc ils ne savaient pas, voilà, que ça a évité la transmission. Alors imaginez qu'on représente un laboratoire, quand un médecin a présenté un produit, nous ne pourrons pas parler de vaccin. Présenté un produit et qui a dit, mais on vient présenter un produit, mais pas testé. Nous ne pouvons faire rien si. Vous ne pouvez pas malade. Mais il a fonctionné. Vous ne pouvez pas malade. Non, ils ne pensent pas si il a fonctionné. Ils mettent des bits dedans ou ils pensent qu'il a fonctionné. Quand médecin a fait. Alors, si médecin là, ça dit moi, qu'il y a maladie, qu'il y a presque maladie, produit là, ça, nous en danger. Et c'est ça qui arrive là. C'est ça qui arrive. Un produit non testé, expérimental, ou pas de tête bamouni. En aucun cas, ou pas de tête bamouni. Donc voilà. Son bilan à nous adresser, nous fiers de ça, nous a dit, nous avons fait recherche aussi, quand tout le monde, nous au courant, nous savons que nous pouvons démontrer que quand il a là, mis tout l'ABC encore, nous avons fait manifestation tous les jours, tout le temps, nous en meeting, nous en marche, nous avons fait manifestation toujours ensemble, nous pas les masques. Ça n'a pas plus mauvais que ça, nous pouvons jeter un peu au cluster. Techniquement, on était déjà tout mort. Envoie l'ARS au soir là, excusez-moi, envoie l'ARS au soir là, pas oublier de mettre gel, de passer gel en mer. L'ARS met ça. Faut l'ARS savoir que nous avons un pays à soleil et l'envoi gel là, ça reste à la voici là, il n'est pas efficace encore. En aucun cas, il n'est pas efficace. Donc, si ils font le travail, il faut y faire bien. Voilà. Il faut nous informer monde bien aussi, en même ballon là. Alors, nous avons Jocelyn Zou aussi qui l'a avec nous. Bien content de vous, hein, puisque vous avez fait partie des premiers qui essayaient d'alerter nous. Si des malaises cardiaques, moi, quand j'ai ça, c'était l'année passée. Et les sapeurs-pompiers étaient capables de nous de malaises cardiaques qui étaient produits de manière anormale. Tous les derniers mois, c'est des bitins qui étaient capables. Jusqu'à maintenant, il y a un paquet de monde qui a fait malaise cardiaque. Est-ce que vous avez constaté ça toujours sur le terrain ou bien ça a rangé l'affaire là ça? Mais avant de commencer, je dis à tous les téléspectateurs qui ont dit bonsoir et merci de vous souvenir de ce soir-là. On ne doit pas lire dans nos bitins que nous croyons penser que ça, c'est du passé, mais c'est de l'actualité tout le temps. Pour répondre à la question, rien n'a pas changé. Okay. Au contraire, nous croyons ça. Ça a fait ce qu'on a, où on l'a fait, grosso modo, deux à trois visées à deux journées, à deux journées, à deux semaines même. On a fait l'eau, on a fait l'eau tout entier. Je te l'envoie quand tu veux, peut-être une quinzaine d'habits même, puis il va faire 5 services à la journée. Ok? D'accord. Sans compter malaise cardiaque. Mais il y a 6 à son seul quinzaine. Sauf qu'on est 10 ans, même si il y a une TVT fait de manière aléatoire ou rien de, on est pratiquement plus d'une quinzaine ou vingtaine d'habits à la journée, non problème. Ok? Il y a les thrombolyses, on est crise cardiaque, et pas de l'âge. Donc, c'est pas pour rien d'ailleurs, ou quoi, il y a restanté de mettre un paquet de publicité pour faire prévention si. Les AVC, les crises cardiaques, les thrombolyses, les embolies pulmonaires. Et aujourd'hui, on a trouvé qu'on l'a gêné pour vacciner. C'est fait de ça, il prend vaccin, plus parce qu'il met toi dans un système que pour y voyager, pour y cinéma, pour y restaurant. Et donc, il faut que tu es vacciné. Donc, aujourd'hui, ça n'a pas changé. Et d'autant puisque, comme l'hôpital là en Bab, nous rendons compte que aujourd'hui, prise en charge à un long monde compliqué. Ça a fait que des fois, quand il y a des gens qui sont restés, un petit moins de ça, sans qu'à dire là ou cela, ils sont restés en moyenne une heure et demie à jusqu'à 6 heures de temps long quand ça chute là. Des fois, quand il y a 12 ambulances, 12-15 ambulances, qui ont fait la quinze, ça chute là. Ce qui fait que il n'y a pas de couverture sanitaire sur le loup. Parce que tu as dit à l'époque que c'était une trop près de Covid et c'est ça qui a bouché les urgences finalement. Mais là, pas de Covid, ça a bouché quand même. On a bouché tout quand même. Et puis, ça pique encore parce que, temps, puisque nous avons un système aussi aux disques qui est compliqué de plus en plus de manière budgétaire. Il était prévu 12 millions au total pour te faire caser en Guadeloupe. Et avec Covid qui sortit, caser avec réfection, avec réparation, tout ça, construction. Aujourd'hui, là, il faut, avec Covid, avec l'Ukraine, je crois qu'il faut 27 millions d'euros. Et nous pas mettre dans les recrutements dedans. Parce que les gens savent que les pompiers, de manière générale, nous travaillons en garde postée, nous travaillons 24 heures, nous avons 3-8, nous avons 3 jours pour des professionnels. Et donc, mais on peut payer 19 heures les 24 heures là, ça. Donc, c'est le temps là, ça ne peut pas être lié.
tout en vie, ok, ou pas rattraper. Donc, quand c'est 5 ans, ça correspond à peu près 400 euros par l'année, libre à l'administration. Donc, nous commandons à passer 12 heures. Nous passons 12 heures, nous n'avons plus de loupé à recruter. Et grosso modo, nous sommes basés à 135 personnes, jeunes à recruter. Leur ajouter le matériel à retraite là, qui fait que je là aussi, le coq qui est sans appeler aussi, c'est tout collègue en commandant à mobiliser demain matin aussi. Sans compter, les, nous pouvons parler des. Donc, Kazan Zabim qui est mobilisé demain? En cas, il est tout pompier. Tout pompier de regagner la lutte, ou à la mairie, avec tout le monde qui est là, qui soit statué. Parce que là, on va dire que je dois cotiser pratiquement si on a passé 40 toiles à nuitée. Ça a quand même que là, nous avons une population de plus en plus qui est entrée dans la vie active. Ta, ce qui fait qu'à 70 ans, on trouve un pompier en montant à l'échelle, on trouve un infirmier qui a piqué mon. Okay? Parce que. En moyenne, quand on rentre après Tida, on est entre 25 et 30, 30, 33 ans, 34 ans, on commence à travailler. Donc forcément, c'est compliqué. Donc, nous avons tout bablé et nous n'avons malheureusement ni des gens qui ne peuvent pas comprendre. Le manque, en quelle révolution militaire qui a quelqu'un qui a cœur quand même, c'est de voir que même, on peut sentir que le pays-là a bouilli. Pour le pays-là, nous en chaudière, on va voir tout ça avec toute organisation à collectif qui a monté, on va voir le CDIM, on va voir et puis mon tout partout qui a monté. Ça a fait un moment, ça a bouilli. Ça a bouilli. Et on va voir aujourd'hui, on va commencer à comprendre que, qu'à un moment, que le grand emplacement a commencé. Et aujourd'hui, là, on voit, quand on a raconté Gabi et Michel qui a parlé, c'est, on a dit que le monde a mis l'habitude de qu'il y a, parce qu'on a dit que le monde a mis en casa, on a fait un film qui a mis en casa aussi. Et on peut voir que ces gens-là, la population a changé. C'est-à-dire, à part Guadeloupe et Guadeloupe, il n'y a pas encore. C'est les gens de l'autre côté. Et de plus en plus, ils sont installés. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont organisé, ils ont foutu tous ces gens-là qui étaient là, dehors. Et nous, on dit ça tout le temps, c'est un constat que nous faisons. On ne peut pas juger, on peut faire un constat. Là, on a un bouteillage de là, on a de la gauche à la droite, on ne peut pas avoir des gens qui sont vous. Donc, les gens qui ont travaillé un pays là, pendant que c'est dans Genève, on a compté les voitures qui passent dans la rue là. Là, on voit. Ça a fait comme ça, ou quoi pour toi, analyse, quelle analyse tu as porté? Est-ce que c'est Mouna qui était responsable en nous politiquement? Est-ce qu'il n'y a pas de pouvoir ça? Moi qui pas grand politicien, qui a juste participé à la vie politique à payer moi, à la vision qui est en moi, parce qu'il y a une vision à payer moi, est-ce qu'il n'y a pas de pensée à un moment donné que fait qu'il arrêter de bombarder, fait qu'il mette vraiment qu'à penser territoire, et penser territoire, pas penser à réélire, à pas penser à mettre mandat à côté. Quand on laisse la génération, quand on laisse la Timouna. Et aujourd'hui, tout le monde a surpris de voir que il a tellement laissé aller, il a tellement fait mes décisions, il a fait tellement de compromissions avec des permis de construire, avec des ventes qu'il a fait, avec des manigances qu'il a fait. Aujourd'hui, on nous compte finalement que ni le monde qui remplace nous petit à petit, groupe en place. Et aujourd'hui, on voit que tu as la mettre en bailleur, tu as la fond, on met en place privée. T'as la campagne chez Wally là. Marie, t'as le chemin. Donc, nous avons ça, mais comme si aujourd'hui, nous lever. Pas d'avoir que nous faisons en l'homme confiance, sans qu'elle nous intéresse, nous rien, ça c'est mon atteint café. Nous pas jamais dépôt mon compte, et aujourd'hui, comme si nous quoi lever. Et, but à résistance qu'on a mené, avec le combat qu'on a mené depuis tantôt, il a dit voilà, ça peut peut-être faire mon ouvrage, ça peut grouper mon ouvrage aussi, quand nous y réellement, et nous croyons. Le quoi que dit mon conseil aujourd'hui, nous avons 375 000 personnes en Guadeloupe. Comment Guadeloupe est réellement qui est dedans? Alors, il est vrai que quoi penser Guadeloupe, quoi manger Guadeloupe est. Mais nous avons pas de natif, comment nous avons une carité dedans réellement? Parce qu'à un moment, il y a quoi remplacer nous petit à petit. Et Baba, le problème est suspendu, c'est ça. Là, vous vous foutez de vous, par qui vous remplacez vous? On a de vous savez bien, monsieur Zou. Non, mais nous savons. Parce que vous nous faites appel justement à des médecins en Hexagone. Tout à fait. Et même en Europe, je crois. Parce que vous pouvez marcher là, c'est l'Europe. Ah ben, c'est pour dire que là, vous voyez, vous pouvez passer territoire. Et même là, vous êtes très pour la science, vous êtes très pour les vaccins. Il faut écouter qu'à peu près, il faut ranger à peu près. Et en cas de ça, tout le temps. Si vous voyez, les Losba, les Chalice, les Lirel, toutes les politiques, quelle que soit la conception, on est dans la science, on est mis à côté, à PayPal, pour comprendre la problématique là. Côté long, pas fait ça, il fait là. Moi, je pas fait ça, il fait là. Okay? Et nous, au chat, pas fait ça, il fait là. Il y a des gens qui travaillent,
OK, parce que on sent que on est en position pour pas même langue là. Mais comme nous avons un pays que c'est nous avons pour un pays où nous n'avons plus monde qui n'a pas un peu machin puis casserole, nous fait nous dire la vérité et quand il fait que chaque monde a un prix en fait pour pays là. Et l'État français qui est basé sur un rapport de violence, ça joue dans les CDV là, ça, qui fait que chaque monde a pile là. Et puis, si ça peut être super attrapé, on va trouver un affaire bas, on va mettre pour pile là. Okay? C'est pour ça qu'on a fait mon transition, de une belle force, ma camarade à moi, qui s'est présenté des collègues volontaires, hein, on a pensé à Jean-Daniel, on a pensé à Jean-Marc, okay? On a pensé à Teddy, qui, genre, là, il n'y a pas aux gens qui répondent, il n'y a pas aux gens qui travaillent, il n'y a pas aux gens qui JJ. On a pensé aussi à camarade à moi, un professionnel qui est François, qui est Rodrigue. Qui aussi qui subit une belle tribulation, mais aussi tous ces mouna, tous les grands frères, tous ces mouna qui ont arrêté là récemment, c'est là, qui militant à IGTG, qui militant à Yannis Chipotel, tous ces mouna ça. Alors quand vous voyez une belle force, il faut mieux. Parce qu'en fait, liberté n'a pas ni prix. Et nous, quand vous mettez pour liberté. Enfin, liberté ni prix. Il n'y a pas compté chèque. Oui, liberté n'a pas ni prix, mais il veut dire comme ça que voici j'ai dit. On poursuit pour trapper la liberté. Et ça qui est plus triste, c'est que nous, quand on nous compte que aujourd'hui, ni monde qui a fait pour faire ça, et que ce n'est pas qu'à déranger vous. Okay? Parce que ça, c'est qu'à déranger vous, nous sommes ensemble. Et ça, quand fait un appel aussi, bah, tout le monde aussi qui a senti vous, qui doit être senti vous concerné. Parce que aujourd'hui, nous, ni les suspendus, ni les collectifs à résistants en Abikla, ni les soignants, ni aussi pompiers qui jouent de là, nous pas suspendus parce que nous menons combat, mais faire en sorte que pompiers aussi dans, pour suspendre, parce que ni pompiers en France qui sont suspendus. Alors, quand on appelle à tous ces gens qui ont été cultivés, qui ont été en masse, qui ont été dans quel que soit laurier en politique, qui ont été une organisation, association, de regagner la lutte. Parce que c'est qui concerne que nous gagnons, que respecter nous. Parce que si nous ne pouvons pas mettre nous ensemble, nous pouvons sortir dans ça. Et c'est important qu'il faut nous souvenir ça. Quand on avance pour autant, mais liberté, c'est pour tout le temps. OK? Et liberté, pas pour carnaval. Ah, parce qu'on l'a là, qu'on prend nous libres. OK? Liberté, pas qu'à résumer à un restaurant, pas qu'à résumer à un cinéma, un voyage. Liberté, c'est un bien qui philosophiquement plus grand que ça. Et encore rappeler aussi, peuple, que lorsqu'il y a la charte des droits de l'homme, de l'article 1 à l'article 28, de quoi tu étais un système de liberté. C'est-à-dire que ou penser en liberté. Nous quoi vivre en liberté et je là nous veut contenir nous de assujettir nous en vaccination pour nous être libres. Et ça dangereux ça parce que je là si on veut pas faire étude quand il voulait ou pas choisir ça ou voulait et si avant de tenir on nous tenir artiste, nous tenir plombier ou ni caoulet, on est tous ces gens ça qui des artistes qui viennent grand, c'est parce que une liberté de choisir. Je là si vous ne répondez pas à un homme, pas ni choix. Donc, faites-nous lutter, nous gommer pour ça, vous gardez la liberté là, ça, liberté de penser là, ça, c'est important. C'est très important. Voilà. Merci, en pile, M. Zou. Pour tout ça, on dit nous. Et avant de quitter nous, monsieur Clavier, la parole. Donc, M. Zou, qu'a parlé nous de la lutte. Donc, il faut la lutte continuer. Ils n'ont pas ni l'intention de la guerre de toute façon. Ça nous a bien compris ça. Qui tourne ces événements-là qui prend les jours prochains, les semaines prochaines, qui genre ça qui passé? Alors ça, nous sommes ça qu'on avec Michel Gadi, hein, nous choisissons Goumé, nous choisissons résister, nous choisissons Goumé, nous choisissons affirmer position nous et triompher dans la démarche que nous choisissons. Et pour ça, nous prenons plusieurs pans, hein, nous barrons jamais, ok? Et je vous ai dit ça, hein, avec les peuples européens qui soutiennent nous à la combat là, ça, à nous barrons jamais. En novembre 2021, la vaste opération policière et répressive et judiciaire contre nous. Okay? C'est des centaines de Guadeloupéens qui ont condamné à des peines mineures, mais également qui ont condamné quand même, qui ont poursuivi. C'est pas les grands frères qui font, on en est prison. C'est grands frères-là qui l'ajoutent. Okay? Nous, encore des trois camarades qui ont été semaine passée, au motif qu'ils ont été participé à l'opération de déstabilisation. Bon, il y a la GDA d'ailleurs. Toi d'ailleurs, et nous y en qui la seule toujours. Donc, nous, quand même, on va se répression policière et judiciaire qui n'est pas obligé de faire paix et faire paix. Mais ça aussi, face à la telle répression, nous avons continué à couper. Nous, solidarité, les Big Bastet, Big Laprette, Big dans le secteur social, médico-social là. Mais nous également, on série de manifestations qu'on a fait à ces Big là pour nous qu'aimer, rester debout, rester fier, pas isolé et pas pleurer misère à ces messieurs. Et donc, Big là sont un lieu de vie, on crée un lieu de création, un lieu d'épanouissement. Différentes manifestations organisées,
projection de films, débats, la coussanté, tous les vendredis, la coussanté à Cibic là. Et là, c'est un rendez-vous extraordinaire parce qu'il a réapproprié nous avec nous-mêmes, avec corps, nous, avec certains, nous, prend en charge nous-mêmes. Mais nous, également, d'autres procédures que nous engageons. Nous engageons une série de procédures devant le tribunal. Et ça qui est particulier dans ces procédures-là, ça, ils font décider de débiter le respect des procédures. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas faire ça, on vient de l'accès. Hein. Mais si vous faut moins d'eux, il faut moins d'eux qu'on la loi a prévoit. Qu'on la loi a dit, qui est dans le secteur public, là, qui est dans le secteur privé, là, c'est mais c'est fait de la sauvagerie. Vous faites droit à la hâte, ou quand ça, que ça descend vidéo. Non, mais de toute façon, vous avez pris. Vous avez pris. Nous avons dit, nous avons un pays de droit. Voilà, qui a pris tant pour arriver, mais qui arrive un jour. Nous avons pris fait, nous avons souffert, nous avons. Mais nous arrivons. Parce que là, on peut dire, moi, ça, quoi dire, comme ça, dans le royaume même. Avant de suspendre le monde, il faut convoquer, il faut parler bien, il faut dire qu'on s'accapit fait pour éviter la suspension, pour poser un reclassement, pour un congé, partir en formation. Ce n'est pas respecté pour disposition comme ça, il faut monter du jour au lendemain. Plus grave, c'est le secteur privé là. Tous les établissements publics et privés, c'est le même bidon là. Plus grave, c'est le CHU là. Plus de 400 personnes qui sont suspendues. Avec des décisions de suspension qui sont rétroactives. Autrement dit, les personnes suspendent depuis le mois d'octobre, sans l'argent depuis le mois d'octobre, novembre. Nous avons une capée décision de suspension au mois de juillet 2022. Pas seulement six mois après. C'est une blague. Alors, pas une blague. Nous avons un établissement public. Donc, vous suspendu sans qu'il y ait spécifié. Sans notification de décision. Et là, on prend connaissance de la décision-là. On peut constater que finalement, on est suspendu depuis le mois de novembre. Et c'est là où on apprend pourquoi il n'y a pas à payer. Et pourquoi il n'y a pas à travailler. Pourquoi il y a grillé ce planning-là. D'accord. Donc, vraiment, faire la va-vite. Non, non, on va dans un établissement public. Et je dis là encore, nous avons d'autres de services que le directeur a fait sortir, puisque n'est pas fait de grève qui est lancée, parce qu'à partir de lundi, il faut savoir, dans tous les établissements de santé publics et privés, décider de fermer cet hôpital-là. Entrer en grève. OK ? Nous décidons également, à partir de lundi, à partir du 7 février, nous grève générale en toute Guadeloupe. Oui. Dans tous les secteurs, toutes les entreprises. Grève générale. Non seulement pour l'intégration du suspendu, mais c'est pour le carburant, c'est pour le de l'eau, c'est pour le transport, c'est pour le chômage, c'est pour le mépris qu'il y a eu pour nous, peuple guadeloupéen. Le 7 février, son grand jour pour guadeloupéen mettre en chemin. Chaque monde porte manœuvre dans tout royaume, dans l'entreprise, dans la famille, dans le voisinage, il faut nous lever au grand gaoulé en Guadeloupe à partir du 7 février. Et nous comprenons devant nos personnes de la santé à partir du 23, parce que c'est nous principalement qui concernés. Alors, on peut dire, mais ça, je dis là, pourquoi ce soit dans le monde, sans respecter les propres réglementations, en disant le secteur privé là, il y a des dispositifs qui privent le code du travail, c'est monsieur qui a 6 et 6 ça. À dans le secteur public, c'est qu'il y a un le CHU, 4 semaines suspendues avec des faits actifs. Nous avons des fonds au tribunal. Nous prenons 2-3 dossiers de test. Devant le juge administratif là, juge administratif là, à 2 reprises, des directions à CHU, que décision de suspension qu'on prend contre madame est illégale. Parce qu'elle est une opportunité rétroactive. À 2 reprises. C'est que la CHU a dit ça, on peut dire ça, on voulait, mais comme la loi a obligé de suspendre vous, on n'a pas qu'à respecter l'obligation qui est fixée par le tribunal administratif. Donc, on n'a pas qu'à intégrer les gens là. On peut être devant le Conseil d'État. On peut être devant, on peut faire appel. Autrement dit, il y a dans une situation là. Il faut que nous savons qu'il y a une raison. Mais pour pousser encore une fois à la mendicité, à la négation, à ça, il y a entretien des procédures de judiciaires, des procédures pour payer encore une fois, courir et prendre le vaccin là. Mais malheureusement, pour eux, nous avons fait corps avec ça. Et nous décidons, encore une fois, c'est tous les dossiers, qui public, qui privé, qui libéraux, engagés les procédures. Et de toute façon, vous savez très bien, les juges, même les juges administratifs, même les juges au niveau du conseil de prud'homme, plutôt dans la partie patronale, pour le moment, ils sont mariés. Ils sont mariés par l'autorité de l'État. Ils n'ont pas à parler, ils n'ont pas à dire, ils n'ont pas à prendre des décisions oui, en faveur de l'État. Mais tôt ou tard, ça calague. Mais oui, parce que la pression là, calague. Encore oublié le département là, mais en tout cas, regardez justement hier, en tout cas, regardez interview. En femme qui est personnel de santé dans l'hôpital, donc qui était employé de la PHP, je crois, et tout, puisque c'est vers Paris. Et madame, t'es qu'à dire une interview là, qui est conseil départemental à région 1, justement, qui a versé en prestation. Oui. Ils ont voté justement pour verser en prestation contre l'avis de l'État. Mais ils ont qu'à faire quand même. Pour qu'ils habitent en Guadeloupe, ils n'ont pas fait un petit fond, ils n'ont pas fait. En fait, les politiques à Adam, ça, ils jouent plus aujourd'hui. Donc, premier temps, tout le monde d'accord avec nous, quoi, c'est nous, parce que c'est une admissible compagnie. Nous faisons motion, le Conseil général fait motion, le Conseil régional fait motion, tous les parlementaires font motion, quand ils clavent ça. Mais c'est politique, quand ils disent, quand ils croisent nous, quand Chalice dit nous, là, nous avons une fois là. Est-ce qu'on comprend que c'est moins Chalice, président du Conseil régional, ou d'où qu'elle fait l'État fait derrière, si la force sociale par ici, la force sociale par ici, le Parti communiste par ici, le Parti républicain par ici, est-ce qu'on comprend que c'est moins Chalice, un petit Guadeloupe, là, qui est ici, formidable. Donc, on m'a dit, c'est même qu'a dit qu'on s'est panique pour voir.
pouvoir là, quoi, limiter encore une fois un pouvoir d'exécution à gestion administrative à l'instance. Je dis là, le pouvoir n'est pas simplement gérer, administrer en instance. Le pouvoir, c'est justement exprimer, prendre ça, exprimer en tant qu'un homme, quoi, en tant qu'un monde qui a une connaissance à la vie. Okay? Et de dire que ça manque à exiger. Mais pour ça, fournir, ça il faut. Et là, il faut. Donc, résultat, nous avons dit, nous avons une vaste solidarité des politiques, mais les politiques, elles ont dit, ne peuvent pas être plus loin que des déclarations, d'accord, des exigences. C'est pour ça que nous avons dit que non seulement nous avons agi par animation et puis des solidarités pour nous continuer à résister et rester fiers de résistance à eux et pas plérimiser, pas baisser tête devant ces métiers-là. Deuxièmement, nous avons organisé également tout ce qu'il faut en termes au plan juridique et judiciaire pour gagner les revendications. Nous, bien évidemment, il y avait des avocats de Guadeloupe également, de France qui a aidé nous dans ça, parce que nous avons l'avantage en Guadeloupe des avocats militants qui a six questions à ça, qui soutiennent nous, qui aident nous, qui ouvrent aussi pour nous, qui participent de cela, et qui pour le moment, par amende, nous rien d'autre. C'est une contribution à la lutte. Okay? Et troisièmement, c'est des manifestations qu'on nous a fait. Et nous prévoir, dès le 23, dans les établissements de santé, et à partir du 7 février, dans tout le Guadeloupe, engagé en lutte frontale avec l'État. Parce que l'État, c'est un État violent. C'est un État violent. Et tel qu'il n'y a pas en face avec des gens qui doubloutent, qui effectivement respire, qui a fait contre-violence par rapport à violence politique, violence sociale, violence humaine qui a fait monde, il peut écouter. Donc nous décidons également, organisez-nous pour nous contrer l'État. Parce qu'encore une fois, si c'est basé propre texte à eux, propre texte à eux, nous allons dire appliquer texte à eux. Panique au vide en Guadeloupe, on arrête les conneries. Panique au vide en Guadeloupe. Alors quoi? Et pour ça, nous sommes dans le meeting que nous avons pris depuis jeudi cabine là, 19 janvier. Nous avons mis à cette soir devant Place Nicolas à cette rose. Nous avons meeting le 26 janvier, place Jetia Simena Mondalo. Le 2 février, devant la poste Bastet. Le 6 février, devant Mutualité. Pour grande manifestation à partir du 7 février. Donc, on m'a dit qu'on a appelé le peuple à mouvement. Appelé le peuple à révolter, à indigner. Non seulement par rapport à la question qu'a fait, violence qu'a fait les personnels de santé, mais par rapport à la violence qu'a fait nous tous. Parce que scandale à Claude Gonna là. C'est quand même extraordinaire. Ou ça qui nous crache en figure là. Ben, ouais, c'est cracher en figure nous. Clairement. C'est mépriser nous. C'est dire pas moun. Je pas moun. Et quand même s'envler, je vois de toute façon en décider faire aux autres, qui a servi aux autres. C'est ça. Qui tue les autres s'il le faut, mais je paye parler. Et c'est justement pour ça, camarade. Nous ni du moun du bout. Nous ni formons un homme du bout. Nous jeunes qui du bout. Et tous ces jeunes-là, nous avons convoqué à la révolte. Nous avons convoqué à la révolte. Et c'est pour ça que nous, organisation, le collectif là, nous fiers encore une fois, depuis le 17 juillet, nous doute. Ça inédit. On a une trentaine d'organisations qui, depuis le 17 juillet, c'est plus gros qui nous doutent. Ah, belle combat même. Et nous, très fiers encore une fois. En tout cas, les camarades qui nous doutent aujourd'hui là, qui a fait les pompiers, qui est au niveau aller soignant, qui est au niveau aller personnel, qui est au niveau aller à la poste, toutes les organisations qui sont tout en dans le collectif là, nous pouvons dire ça que nous, ici, au monde, qui est fondamental, c'est qu'il reste debout par rapport à toute violence qu'il y a fait nous. Et bien évidemment, comment nous que gagner, non seulement pour l'intégration, nous, mais également toutes les questions qu'il y a posées, que dans la société, nous voyons que la question à chômage, c'est quand même un scandale, comme ça qu'ils ont au du bout, au jeune monde, diplômé, bac plus 3, ou quoi, après tirer celle et regarder ce qui va se passer. Et travailler là, nous ne venons pas centaines à nos Boeing tous les jours. Vous allez dire, oh, mais j'ai trouvé quelque chose quelque part, je vais acheter un logement, j'ai une proposition de terrain, finalement, ou pas monde, ou pas rien en pays là, ça. Et vous allez dire, oh, ça, de toute façon, ou qui est mort. Faut nous qui réfléchissons à toutes ces questions-là, ça, vous posez des gros problématiques pour faire l'émission là, ça a mérité des débats. Monsieur Zou, quand elle même posé un groupe, quelque chose reste en roche en mort là, vraiment, hein, parce que le grand emplacement, il faudra qu'on en parle. Dans tous les cas, ça, ce sont des questions qu'il faudra qu'on aborde, puisque ce sont des réalités de terrain. On le voit, il faudra qu'on règle ça. En tout cas, merci beaucoup, messieurs, d'être venus sur ce plateau ce soir pour nous faire un débrief sur la situation donc des personnels suspendus, qu'ils soient hospitaliers ou bien sapeurs-pompiers. Merci donc pour ce petit débrief. Vous nous avez donné le calendrier, monsieur Gaby Clavier, pour les prochaines mobilisations. Donc, ce sera à partir du 23 janvier prochain sur les hôpitaux et l'appel à la grève générale est donc lancée pour le 7 février prochain. On verra comment les choses se goupillent et le rendez-vous est donné donc déjà demain. C'est devant la mairie de Pointe-à-Pitre pour la manifestation contre la réforme des retraites et je vous l'annonce, demain soir à 19h,
je recevrai les avocats des grands frères. On va débrief sur cette affaire-là aussi, puisqu'il y a beaucoup de zones d'ombre dans ça. Et donc, je recevrai notamment maître Juan Branco, qui représente O'Neill Dufour, qui est toujours incarcéré. Donc, ça fait plus d'un an maintenant, puisqu'il a été interpellé le 17 janvier dernier. O'Neill Dufour est toujours incarcéré, comme effectivement Boana et Bébé, qui sont toujours donc placés sous mandat de dépôt. On va débrief tout ça demain à 19h. Une bonne soirée à vous. Bisous tout le monde.